Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Rusty Lake Paradise. Donc nous sommes toujours dans les 10 plaies, vous savez, de l'Egypte. Troisième plaie, les moustiques et les poux. On y va. Donc on peut voir un point, une cible, une tapette à mouche si tu le dis. Et là on voit clairement un point et une cible. Là on voit aussi une moule. Black, black. Donc d'accord, ok. C'est pas pour tout de suite. Why not? Monsieur le pêcheur n'est plus là. D'ailleurs son caillou n'est plus là non plus. Coïncidence, je ne crois pas. Ok, une croix. Une plante carnivore. Ok, c'est elle qu'il faut que je nourrisse avec des poux et des moustiques. J'ai pas de pelle pour taper là-dedans, je présume. Oh, regardez, ça s'est illuminé rouge. Ça veut dire que je les bouche ? Non. Ah. Ok, celui-là. Celui-ci. Ok. Ok, d'accord, c'est là où la nouvelle sort. Ok, et j'ai récupéré du miel que je ne peux pas récupérer pour le moment. Ok. La maison. La pelle. Je prends. Ça, qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord. Ça, c'est pour faire des... Why not? Ma sœur et mon oncle. Life are not welcome here. What? Ah non, c'est avec la pelle qu'il faut que je fasse... What? Non, ça marche pas non plus. Étrange. Donc je n'ai pas le droit de le prendre. Ouh. Ah, je vais y arriver, m'en fous. On bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le troisième symbole. Donc il y avait bien un symbole par plaie. J'ai loupé un symbole à la deuxième plaie. Mamie, qu'est-ce que t'as à dire? Ouah, mamie! T'es sérieuse là? T'as vraiment fait ça, mamie? Tu t'es tapé la face? Oh, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est nouveau, ça. Ça n'était pas là avant. Je ne sais pas ce que c'est, ça n'était pas là avant. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ici, je peux donner... Coupe-lui les cheveux, s'il te plaît. Voilà, merci. Oh. Au milieu, au juste milieu entre la croix et le point. Par contre, est-ce qu'elle était obligée de lui couper l'oreille? What? J'ai un percuté que c'est l'oreille qu'elle lui avait coupée. Ok, donc... Oh! Sérieux là? Oh, c'était bien ça. Ah maintenant il fallait juste que je pique dessus. D'accord, ok. Bon bah écoute, tant mieux. Ça ne me dérange pas. Ça par contre c'est un coup de pelle, hein, clairement. De l'argile. Oh, ça y est, je viens de comprendre. Par contre, je ne peux pas... Donc là on a la croix. Ok, salut tonton. Sève de boulot.
c'est de plus en plus étrange. Je veux bien reconnaître que là, pour le coup, TP. My blood sugar level is very low today. D'accord, donc toi tu veux le miel. Ok. Ça lui a apporté des poux et autres problèmes. Étrange. Donc c'est clairement pas fini, il y a un trait, un coup de crayon qui a été donné ici, je sais pas pourquoi. Ok. Donc, ok, ici. Ah, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Enfin, oui, non, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais... Ok. Ok. C'est du bol que j'ai dans les casse-têtes. Rien à ce niveau-là. Putain, il y en a un là. Ça n'a pas l'air extrêmement compliqué, cela dit. Oui, ça aurait pu marcher aussi. Au moins, je sais qu'il est pas là. Eh ben non, je suis dans la colle. Hop, voilà. Je suis trop con, moi. Ok. Maintenant, si tu me dis que... Donc, je sais qu'il est pas là. Il est sur la ligne du bas. Forcément. Ça va, c'est très facile finalement. Souvent ces trucs là, j'y mets des plombes, hein, je vais être honnête avec vous. Hein. Sésame, hop, bulbe de fleurs, ok. Je vais pas vous mentir, je commence à avoir du mal à... Une moule. Pourquoi pas? À voir les liens. Est-ce qu'il faut que je lui donne, par exemple, ceci? Donc uniquement des insectes ou que tout ce qui se mange? Ah. Un bulbe de fleurs? Non. L'oreille, bah oui. Ok, très étrange, une fleur. Why not? Non, ici je suis étonné qu'il n'y ait rien. Alors oui, forcément, ici, t'auras TB. Allez, ça y est, je viens de comprendre. Et là, voilà, ça y est. Me dis pas que je viens de le tuer. Oh, non. What? Ok. C'est moi qui ai fait ça? Sérieusement, c'est moi qui ai causé ça? Parce que là, moi, j'ai juste envie de... Ok, c'est... extrêmement flippant. Alors pour une raison que j'ignore... Il semblerait que je puisse y faire quelque chose, malgré tout. Tout simplement. Un deuxième bulbe de fleurs, d'accord. Je vais sans doute avoir trois bulbes de fleurs pour trois vases à créer. Je présume. Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai le... Crac, voilà, voilà, merci. Et crac, boum, fu. On est bon. Là, est-ce que j'ai quoi que ce soit d'autre à faire? Non, je ne pense pas. Là, j'ai récupéré ce que j'avais récupéré. Ici. Ok. Ce qui m'en fait un.
que j'imagine je dois aller poser immédiatement. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je reconnais que là, pour le coup, je suis surpris par le jeu. Il est vraiment très bon. Hop, et donc, du coup, je me permets... Non. Ok, d'accord, très bien. Très bien. Mais le jeu est vraiment... Je pensais pas que ça serait aussi... à la fois bizarre et à la fois bien, finalement. Et j'ai pas d'autres termes. Mamie, comment tu te sens? Excuse-moi, mamie, je voulais te... J'aurais juste te parler. Mamie? Mamie? Merde, on a perdu mamie. Ça, je sais pas ce que c'est... Ok, serais-je déjà coincé? Ce serait un peu la tristesse. T'as rien d'autre à me dire? Non, attends, excuse-moi, t'as rien d'autre à me dire? Non? Ok. Oh, d'accord. Ok, j'ai 3 fleurs, mais seulement 2 vases. Donc, il me manque quelque chose quelque part. Alors, est-ce que c'est pas tout simplement continuer à creuser là où j'ai trouvé l'argile? Tout bêtement. Tout bêtement. Pion. Voilà. Allez. Crac. On est bon. Oui. C'est par là, puis tout à gauche, et ici. On est bon. Crac. Enfin. Voilà. Non, pas ma mère, s'il vous plaît. C'est absolument dégueulasse. Non! Ça devient flippant. Oh putain. Ok, why not. La rose, ok. Je sais pas si je suis censé interagir ou pas avec ça. Ce qui m'inquiète de... J'ai pas pris le cube. Ok. Bon. J'irai pas aussi dire que c'est flippant, mais c'est flippant. Coucou! Je ramène ton petit cul, beuh. Et c'est là qu'on va pouvoir voir si ça s'attaque aux moustiques et autres poux en haut. Non, pas du tout. Donc bel et bien à cet homme qui disparaît complètement. Ok. Faudrait justement que je venais de finir les poux. The fourth plague. La quatrième plaie. Flies. Les mouches, ok. Voilà l'intérêt. Pourquoi pas. Un zozio. Rien à faire ici à mon avis. Le caillou n'est pas remonté à la surface, pourquoi pas. Ok. Toujours ce passage à gauche. Ok, alors... La chrysalide s'ouvre. À l'intérieur se trouve une mouche... humaine. C'est pas que ça me monte la gerbe, mais pas loin. Ok. Un trohu dans lequel un lapin se trouve, mais il ne veut pas sortir, ou en tout cas rester à l'extérieur. Du bois, je prends. Une lanterne, je prends. Une boîte... Je vois.
Merci. Voilà. Oh putain. Elle est vivante? Fear didn't make me blind. Ok. Rien d'autre? Elle était avec tonton tout à l'heure, j'ai peur d'allumer le... Bon, au moins je sais que tonton, il est là. Permets, je te prends ça. T'as rien d'autre à dire? Ok. Bah écoute, va voir ailleurs si j'y suis. Ici, nous avons... Alors, je comprends bien le truc, hein. D'accord, ok, c'est ça que je suis censé déplacer. Voilà, c'est assez simple. Allez, vas-y. Yon. 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 Ok, c'est bon. Monsieur est doré, pourquoi pas. Alors. Là, la précision commence à compter. Est-ce qu'il faut absolument que je prenne tous les trucs? Je veux dire... Est-ce que aller tout simplement à l'objectif n'est pas en soi suffisant? Ah non, je suis sûr qu'il faut que je prenne tous les trucs. Ouais, voilà, ça ne l'arrête pas. Ok. Alors... Essayons, est-ce qu'il peut prendre deux fois le même objet? Oui, parfait, ben voilà, c'est très simple. C'est très très simple, on s'en sort plutôt bien. Génial, au suivant. Bah, celui-là est encore plus simple. On est bon. Étrange. Étrange, on est bon. Bon bah pourquoi pas, hein, c'est... ça passe. Ah, enfin du challenge. Si je puis me permettre. Eh oui. Je fais ça, ça, ça. On est bon. Normalement, on est bon. Parfait. On s'en sort plutôt bien. Excusez-moi pour la chaise, mais on s'en sort plutôt bien. Combien on reste? Non? Je te laisse, c'est ça? T'es sûr que je peux pas te... Non. C'est absolument dégueulasse. Ok. Un pauvre bâton. Petite branche.
Ok. Merci mamie pour la carotte. No, mind your brother. Apparemment la quête est celle de mon frère en fait, tout simplement. Il va la bouffer. Oh putain. Ah non, ça devient vraiment flippant là par contre. Par contre, c'est plus un moustique qu'une mouche, non? On sait pas comment il l'a buté. Oh putain. Désolé, hein, moi ça me choque un petit peu, hein, tout ça. Hein. C'est très bizarre, très dégueulasse, pauvre bête. Je suis désolé, lapin. Oh, merci. As de cœur, ok. Étrange. Cœur de lapin, cadeau. La chair de crabe, ça te va? Et j'imagine que le reste qu'il te faut, c'est de la viande blanche. Du poulet. Allez, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Pauvre bête. Est-ce qu'on s'est servi de la pelle? Je ne crois pas. Le trou du lapin. Le trou du lapin. Non, pas le trou du lapin. Le trou du tonton. L'appel est sans doute là pour une raison. C'est elle qui me l'a donné de mémoire. Go find your brother. Non, c'est bizarre. Et j'ai pas trouvé non plus le signe, le fameux signe. What? Ça devait être un bug. Ça devait être un bug. J'ai l'impression que je pouvais bouger les arbres. Ça devait être un bug. Autant pour moi. Ok. Tiens, bah, mange. Une gemme. Ok. Qui se présente comme étant capable d'aller ici. Là, ça bouge. J'y vais. Je grimpe. Papa, bonjour. Alors. Oh! Fais péter. S égale I. Le jour de gloire du lac viendra. L'un trouvera la mort, l'autre l'illumination. Illumination. L'élu. Oula, pardon. Hop. L'élixir de vie et de mort. Flower. Alors. Un double T va sur un triangle inversé. Flèche égale 3. Cube, cercle. Oh putain, la vache, ça va être violent. L'extraction des souvenirs. Le fantôme affamé. Rétablit l'harmonie entre tes vies passées. Ça égale, d'accord. Les nommés souvenirs appartiennent à la clé lue. D'accord. S égale 1, c'est ça. Désolé, là, je suis un petit peu déconnecté. Flèche égale 3. Flèche égale 3.
2 égale triangle en bas. Triangle en bas, je ne l'ai pas. En tout cas, pas encore. 8 égale cercle barré et 10. Ok. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Putain, non ! Non ! Ça ressort à l'autre bout. Putain. Oh putain. J'avais pas envie de l'apprendre. Personne n'a envie de l'apprendre, la nature du sacrifice. Oh putain. Tu peux pas aller creuser une tombe ou un truc dans le genre, non. C'est tellement glauque. Nom de Dieu. Ok, bon. C'est tellement, tellement glauque. Ok, vendu. Donc là, tu supprimes la mouche. Ah oui, la nuée de sauterelles. C'est la nuée de sauterelles à gauche. Ok. Ok, ok. Donc j'imagine que ça va être... La maladie. La maladie, un truc comme ça. En tout cas, nous les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Moi je vous retrouve dans le prochain pour la suite des 10 plaies d'Egypte dans Rusty Lake Paradise. Salut les gens.